Tu sais probablement tout de moi, mais moi je ne sais rien de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que tu aimes par exemple. Maman? Oui? Tu m'avais jamais raconté comment tu l'avais rencontré. Qui? Aleka, ça suffit! Si c'est comme ça que ton père t'a élevé, ça se passe pas comme ça chez moi. C'est ça qui a tué papa, n'est-ce pas? When I first saw 21, I thought, 21, what is 21? We've never gotten a number for the title of a film before. The script was really well written. The storyline had twists and turns where you couldn't necessarily predict what was going to happen. The acting was really impeccable. Tu sais probablement tout de moi, mais moi je ne sais rien de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que tu aimes par exemple. I don't think that anyone could criticize the technicalities of the lighting, the blocking of the film. Still, it was interesting to see this community that's in Abidjan. You know, being that we are the Oakland International Film Festival, to be able to showcase, you know, films that are from a different region. A surprise. It was a welcome surprise. But sometimes you can tell the audience really wants the film to be over so they can get to the feature film. But you can kind of tell with 21, they were really like into 21. Like this is a film that they wanted to see all the way through and that they didn't feel like they were awaiting to see anything else better. You know what I mean? Positive response. Well, my advice would be for Marina is to really continue forward with what she's already doing. Congratulations on a very well done short film. Looking forward to her feature films. Keep moving forward. First, just got in contact with the film just through mutual contacts, and the film was graded on DaVinci Resolve. It was really fun to work on. I kind of did initial grade by myself, sent some stills and video to director Marina, and then we just kind of sat down together and went through the film. I'd say Marina was really pleasant to work with. It was really easy to understand what she wanted. There were times that she definitely needed very specific things to be done color-wise, you know, small, very small details, which makes my job harder but more challenging in a good way. Bonjour, je suis Samuel Timothée Ouedraogo, j'ai 20 ans, étudiant à l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, où je vis également. Ma rencontre avec l'équipe de 21 a été faite sous recommandation de Siam Malé, qui était réalisatrice. Elle m'a contacté pour occuper le poste de directeur photo de ce court-métrage. J'ai automatiquement accepté et c'est là que j'ai rencontré Marina, la réalisatrice. Ma première impression en lisant le scénario et le synopsis, c'était une histoire quand même différente de celle que je connaissais dans le cinéma ivoirien, mais qui surtout allait bénéficier d'un traitement particulier, même si le thème était assez évoqué. Les hauts de ce tournage, c'est quand même la capacité et l'improvisation qu'on a pu faire avec une telle vivacité. On est allé à fond dans le tournage, c'est ce qui a permis de pouvoir quand même s'en sortir. Mais aussi, ça représentait un petit point, une petite faiblesse parce que, avec pas tant de préparation technique, on ne pouvait pas s'attendre à des difficultés ou à d'autres choses qui venaient perturber le tournage. Mais de ce tournage-là, je tire quand même une expérience que je n'avais pas eue auparavant, celle de pouvoir réagir
face aux problèmes et puis face aux challenges qu'on a pour tourner un film. Pour moi, 21 représente un bon départ dans le court-métrage ivoirien et aussi un point d'entrée dans le cinéma, de pouvoir faire quelque chose d'assez différent de ce que nos prédécesseurs ont fait en Côte d'Ivoire. Tout grand commencement a un début, et ceci est un début pour aboutir à d'autres choses excellentes plus tard. D'un rêve devenu réalité, la matérialisation d'un objectif en image, le rêve devenu sonorisation, image et expression cinématographique ce soir, celui du court-métrage dénommé 21, pensé, conçu, retranscrit avec la seule idée d'une jeune demoiselle étudiante en communication, en cinéma, en production audiovisuelle, réalisatrice en devenir qui déjà pose ses marques dans l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire, que je vous demanderai d'applaudir bien fort. Mais avant toute chose, un pays est à l'honneur ce soir, la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Et c'est avec respect que je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous tenir debout pour pouvoir découvrir ou redécouvrir l'hymne national de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, bienvenue à la production ivoirienne de ce court-métrage dénommé 21. Ça dans ma maison. Plus jamais. C'est lui, ma maman. C'est comme si vous avez dans le rôle du jeune amant Vital. Est-ce que ça a été difficile? Quels ont été les différents challenges pour vous personnellement? Je ne vais pas dire que c'était vraiment difficile, mais parce que comme là-dessus, je suis une vraie folle. Et j'aime beaucoup m'amuser. Donc j'arrive à intégrer le personnage comme je m'en fais. D'accord. Il y avait des parties où c'était quand même un peu compliqué. D'accord. Alors, sans vous applaudir, s'il vous plaît, félicitations dans le rôle de Alexandra. Alors, les applaudissements sont très bien pour tout le monde. Alexandra, dans le rôle de la riche maman, Céline, Stéphane Colibali. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Je suis Roland Roger Ayeko. Le jardinier. Voilà. Alors, moi, j'aimerais véritablement que nous puissions applaudir ces jeunes acteurs, ces actrices qui ont passé ces différents rôles. C'était justement de pouvoir rentrer dans la trame de ce court-métrage que vous venez de voir, je pense, qui est d'une envergure particulière. Et j'aimerais aussi qu'on puisse applaudir bien fort la réalisatrice de ce court-métrage, Marina Inaga. Beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire ne connaissent pas le placement de produits, qui est pourtant un moyen sûr de faire la promotion de sa marque à travers le cinéma. Et c'est cette forme de publicité qu'utilisent la plupart des sociétés de production et des marques diverses dans les films hollywoodiens. Quand vous voyez Coca-Cola ou la pomme de Mac dans un film, cela n'est pas fortuit. C'est une façon de faire la promotion du film. Également, un film, c'est l'occasion de faire la promotion de la Côte d'Ivoire et de la destination Côte d'Ivoire à Auckland. Quand je faisais la projection du film, beaucoup de gens m'ont approché pour me demander « Mais c'est où ?» On sait que c'est en Afrique, mais c'est où ? Je dis « Ivory Coast », ils ne voient pas, je suis obligée d'expliquer. Mais j'ai pu vendre mon pays à travers ce film. Et j'aimerais saluer cette dame, la directrice de SOTS Institute, ma mère. Qui me soutient. Merci à tous. Marina Inaga, réalisatrice de ce court-métrage 21. Remerciements à tous les acteurs ici présents. Merci pour votre prestation.